tout simplement. Hello, like, subscribe. Au fait, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous avez votre iPhone qui dit iPhone verrouillé par le propriétaire, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre ce genre de problème. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout laissez un like, abonnez-vous, surtout activez la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc nous allons parler des iPhones comme ceci. Et maintenant, l'astuce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça fonctionne à partir de iPhone 6S jusqu'à iPhone X. Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est un iPhone 8 Plus avec la version iOS 15. C'est uniquement la version iOS 15 qui affiche ce message disant iPhone verrouillé par le propriétaire. Donc, si vous avez votre iPhone à partir de iPhone 6S jusqu'à iPhone X, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. iOS 15, ça va fonctionner pour les iOS 15. Et je tiens à vous rappeler que ce déblocage, après vous pourrez faire le redémarrage. Vous pourrez mettre votre propre compte iCloud. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Et surtout, l'application que vous aurez besoin, vous le connaissez déjà, c'est l'application HFZ Activator, la nouvelle version qui est la version 2.2. La version 2.2 est vraiment très exceptionnelle parce qu'elle vous permet de débloquer votre iPhone et aussi faire la même chose pour les iPhones désactivés ou encore les iPhones indisponibles. Vous allez tout simplement utiliser cette astuce afin de débloquer votre iPhone. Donc, si vous avez votre iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud actuellement, comme mon iPhone, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout pensez à laisser un like sur cette vidéo. Donc, je tiens un peu à vous préciser, pour les iPhone 6S, alors vous aurez besoin du câble. Donc, vous pouvez trouver ce câble là en ligne, vous pouvez l'acheter sur AliExpress ou alors vous pouvez acheter sur Amazon, Alibaba, les trucs comme ça. Donc, vous aurez besoin de ça si vous avez un iPhone 6S ou alors 6S Plus. Mais maintenant, pour les iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X, vous n'aurez plus besoin du câble. Donc, du coup, vous allez tout simplement suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je tiens à vous rappeler que la vidéo pratique ne m'appartient pas. Donc, du coup, je vais tout simplement vous expliquer comment ça se passe, comment est-ce que vous allez procéder parce que la vidéo est d'origine anglaise. Donc, je vais essayer tout simplement de traduire la vidéo afin que vous puissiez suivre ce tutoriel. Et surtout, si vous avez un problème, laissez-les dans les commentaires, laissez-les surtout dans les commentaires. Et tout ce que vous aurez besoin dans cette vidéo se trouve à la description de la vidéo. Donc, vous allez tout simplement glisser en bas et vous allez voir tout simplement la description de la vidéo. On se retrouve dans la vidéo maintenant.
What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Un like, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si vous avez votre iPhone XR ou alors iPhone 13 Pro Max ou encore n'importe quel type d'iPhone et que vous avez envie d'enlever complètement le compte iCloud, parce que là je viens de vous montrer les étapes du bypass, c'est-à-dire un contournement du verrouillage d'activation iCloud qui n'est surtout pas le déblocage d'un téléphone. Donc c'est juste une manière de contourner, mais on ne le débloque pas. Et si vous avez envie de débloquer votre iPhone, peu importe l'iPhone, et gratuitement et fait par Apple, alors vous allez tout simplement suivre la vidéo qui va suivre maintenant.
On se retrouve dans la prochaine vidéo. Chaque jour, on ne sait pas où vivre. On attend plus, on doit s'en sortir. De mal, de chat, quoi que